Ce soir, en exclusivité pour le premier numéro de votre nouvelle émission Face à Face, vous pourrez poser vos questions en direct à Ladybug et Chat Noir. En prime, moi, Nadia Chamac, je vous promets des révélations incroyables. Tous les secrets de vos super-héros préférés enfin dévoilés. Si vous voulez de l'info, j'ai ce qu'il vous faut. Tous vos secrets enfin dévoilés? Tu te rends compte, Tiki? Une heure d'interview exclusive juste pour Chat Noir et moi. J'arrive pas à y croire. Mais Marinette, t'es une super-héroïne, pas une star de la télévision. Tu dois préserver le mystère qui t'entoure. C'est ce qui te protège du papillon et de ses super-vilains. Ne t'inquiète pas, Tiki. J'ai accepté de participer à l'émission pour que les Parisiens et les Parisiennes sachent que Chat Noir et moi, on est prêts à tout pour les protéger. D'accord, mais fais attention ce soir. Ce soir? Comment ça ce soir? Ce soir j'ai un babysitting, c'est demain l'émission. N'oubliez pas, ce soir, Face à Face, en direct avec Ladybug et Chat Noir. Et voilà pourquoi tu fais du babysitting ce soir. Marinette! Madame Chamac, je viens de voir votre bande-annonce pour ce soir. Je suis en retard, désolée. Merci encore de garder Manon. Alors, je lui ai mis quelques affaires dans le sac. Elle a déjà dîné. Ça m'arrange tellement que tu sois libre ce soir. Ah oui, quelle chance. J'avais rien d'autre de prévu. Rien du tout, du tout. Il faut vraiment que je file. Ma carrière dépend de cette interview. Il va falloir que tout Paris soit devant mon émission. Ma puce, exceptionnellement, ce soir, tu as le droit de regarder la télé avec Marinette. Tout va bien se passer, j'en suis sûre. En tout cas, vous avez déjà deux spectatrices. Merci Marinette et préviens tous tes amis pour qu'ils regardent. Bonne chance. Alia? On est à l'antenne dans 10 minutes et pas de héros en vue. Tu es sûre d'avoir la situation en main? Oui, Arlette, tout est sous contrôle comme promis. On va battre tous les records. Tu as intérêt si tu veux continuer à présenter ton émission en première partie de soirée. Mais comment, par où êtes-vous entrée? Secret de star, Nadia. Je vois que ma lady n'est pas encore arrivée. Je pensais que vous seriez ensemble. Vous voulez connaître un secret? J'adore les chouquettes. C'est ça l'info croustillante que tu m'avais promise? Non, bien sûr que non, rien à voir. Tu connais les règles. Info de première qualité pour la première partie de soirée. Info bidon, plus d'émissions. À l'antenne dans 5 minutes. Je suis désolée, elle ne répond pas. Super Manon à la rescousse. C'est vraiment sympa d'être venue, Alia. Tu rigoles ou quoi? C'est quand même mieux de regarder l'interview de son héroïne préférée avec ses copines préférées. Dans un instant, retrouvez Nadia Chamac en compagnie de Ladybug et Chat Noir pour une super interview exclusive. Maman! C'est maman! Pourquoi je peux pas avoir une interview exclusive pour le Ladyblog, moi? Oh! Il faut que je dise un truc à mes parents. Ils sont à la boulangerie en bas. Tu veux bien surveiller Manon pendant mon absence? Ton absence? Tu vas pas juste dire un truc à tes parents? Oui, bien sûr, sauf que parfois ça peut prendre un peu de temps parce qu'ils ne comprennent pas tout. Même quand j'explique, c'est pas leur faute, hein, tu sais, c'est juste Marinette, que... Marinette? Oui? Grouille! D'accord. Alia est tellement géniale comme copine. Je m'en veux de l'avoir invitée pour la laisser seule avec Manon. D'un autre côté, Alia est quand même la plus grande fan de Ladybug. Elle serait trop triste si sa super-héroïne préférée ne participait pas à l'émission. C'est comme tu veux, Marinette. Alors... Tiki, transforme-moi! En direct dans 10, 9... 8 secondes avant l'échec le plus cuisant de l'histoire de la télé. 7, 6... J'ai cru que tu m'avais posé un lapin, ma lady. Mes fans auraient été déçus de ne voir qu'un chat. Désolée pour le retard, Nadia.
Eh bien, c'était moins une. Maintenant, je compte sur toi pour faire exploser l'audimat. Arrange-toi pour que ce rouge passe au vert. Bonsoir à tous, je suis Nadia Chamac, vous regardez Face à Face. Pour cette première émission, je reçois les protecteurs favoris de la ville de Paris, Ladybug et Chat Noir. Bonsoir, merci d'avoir accepté de m'accorder une interview exclusive en direct. Merci à vous Nadia, nous sommes très heureux d'être là. Et bonsoir à tous mes fans. Je suis sûre qu'ils sont nombreux derrière leur écran pour vous ce soir. Surtout ne l'encouragez pas, sinon le chaton va ronronner toute la soirée. Ne faites pas attention, Bugginette est un poil jalouse. Hé, je croyais qu'on avait dit que tu ne m'appelais plus Bugginette, chatounet. Oh, mais c'est tellement mignon. Ah, quelle complicité, on voit que vous êtes très proches. Marinette, elle va tout rater. Je me demande bien ce qu'elle fabrique. On vous connaît sans vous connaître véritablement. On vous voit sauver Paris, mais on ne sait presque rien sur vous. Alors c'est votre jour de chance, vous pouvez nous demander n'importe quoi. Dans la limite du possible, bien sûr. Nos identités doivent rester secrètes. Bien évidemment. Je vous propose de commencer par quelques questions de vos fans. Oui, avec plaisir. Bonsoir, chère téléspectatrice, présentez-vous. Et quelle est votre question? Vous êtes sérieuse, Nadia? Je ne vois pas qui d'autre que moi pourrait appeler en premier. Je suis la plus prestigieuse fan de Ladybug. Ah, oui, évidemment. Bonsoir, Chloé Bourgeois, fille de Monsieur le Maire. Et n'oubliez pas que mon papounet est aussi directeur du Grand Paris, le plus luxueux palace de la capitale. Merci pour toutes ces précisions. Quelle est votre question, Chloé? Pas besoin de poser de questions. Je voulais dire bonjour. Comme vous le savez, je fais partie des amis intimes de Ladybug et Chat Noir. Merci pour tout, Chloé Bourgeois. Nouvel appel. Hé, j'ai pas fini, là. De quel droit vous... Salut, Ladybug et Chat Noir. Je suis Alia. Vous m'accorderiez une interview pour le Ladyblog? Ça serait cool, vu que j'ai plus d'audience que Nadia. Oui. Avec plaisir, c'est une super idée, je trouve. C'est trop bien. Je suis contente. Merci beaucoup. Elle n'est pas maman. Manon, mais où est passée Marinette? Elle est allée dire un truc à ses parents. Voilà, et ça peut prendre du temps parfois. Qu'est-ce qui se passe, Nadia? C'est une plaisanterie? On passe au scoop, tout de suite. Ladybug, Chat Noir, de nombreux fans pensent que vous êtes un couple de super-héros. Mais aussi, et je cite, ouvrez les guillemets, un couple tout court. Quoi? Pouvez-vous nous confirmer que c'est exact? Je suis vraiment navrée, Nadia, mais on est des super-héros. On n'est pas là pour répondre à des questions si personnelles. Ah, miaou, ma lady sort ses griffes. Nous sommes ici pour dire aux Parisiens qu'ils ne risquent rien et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on batte le papillon. C'est tout. Tu m'avais dit un scoop, preuve à l'appui. Très bien. Alors, comment expliquez-vous ces images? Quoi? C'est arrivé quand, ça? J'essayais de te sauver, pas de t'embrasser. Bien joué. Continue comme ça. On voit bien que vous êtes amoureux. Ça ne veut rien dire, ces images sont sorties de leur contexte. Tout ce qu'on faisait, c'était notre travail. On sauve la ville ensemble tous les jours, on n'est pas en couple. Enfin, pour le moment en tout cas. Chat Noir, pas maintenant. Pourquoi refusez-vous de l'avouer? Mais il n'y a rien à avouer, Nadia. Vos fans vont être très déçus de ne pas avoir de réponse. Cette interview s'arrête tout de suite. Wow, mais qu'est-ce que tu fais? On a une alerte, Paris a besoin de nous et tout de suite. Désolé, le devoir nous appelle, quand faut y aller? Ne les laisse pas partir. Attendez, l'émission n'est pas terminée, vos fans sont très déçus si vous ne leur répondez pas. Je sais que nos vrais fans comprendront notre décision. Je m'incline. Confort, élégance. Tu peux faire une croix sur la première partie de soirée, Nadia. Ton émission était une vraie cata. Une journaliste ridiculisée par Ladybug et Chat Noir. C'est ce que j'appelle la proie parfaite! Envole-toi, petit Akuma, et noircis son cœur! Ah.
Audimatrix, je suis le papillon. Je sais que Ladybug et Chat Noir refusent de répondre à tes questions, mais si tu réussis à prendre leur Miraculous, tu auras ton scoop. Et à moi, la meilleure audience! Bon, on sauve qui cette fois? Nous deux. Nadia était prête à tout pour s'assurer que les gens regardent son émission. J'en avais plus qu'assez de toutes ces questions déplacées. C'est la rançon du succès, ma lady. C'est ça, être une star. On est des super-héros, pas des stars. Au lieu de faire notre travail, on passe pour des idiots à la télévision. Mais attends, j'avais pas prévu de rentrer aussitôt, moi. Pourquoi on n'en profite pas un peu? On pourrait aller manger une glace. Non, c'est impossible. Les filles, grande nouvelle, on n'a plus besoin de champ. Ah, mon interview aurait été tellement mieux. Pourquoi on voit plus maman à la télé? Elle est où, Marinette? Elle va revenir bientôt. Si tu veux, on peut jouer un... Votre nouvelle émission présentée par moi, Audimatrix. Vous voulez de l'info? J'ai ce qu'il vous faut. Nadia? Ce soir, Ladybug et Chat Noir ont déçu tous leurs plus grands fans en refusant d'avouer qu'ils sont un couple d'amoureux. Nous allons voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour nous cacher la vérité. Comment osez-vous? Vous n'avez rien à faire ici! Sécurité! Accueillons notre toute première invitée, Chloé Bourgeois, qui prétend être une amie personnelle de nos super-héros. Oui, absolument. Comme quoi, faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Eh bien, vérifions tout de suite si vous pouvez vraiment compter sur vos deux prétendues amies, ma chère Chloé. Hein? Vous traversez l'écran pour sauver votre chère petite Chloé. Ah, Ladybug, Chat Noir, je vous en supplie, sauvez ma veste. Prête à crever l'écran, ma lady? Je préfère y aller par mes propres moyens, c'est peut-être un piège. Il y a plus de 10 lignes de métro à Paris, soit 220 km de rail. Si on veut arriver à temps pour sauver Chloé, on n'a pas d'autre choix. Dis plutôt que tu adores passer à la télé. J'ai compris, tu as le trac de Guinette. Quand même, vous en avez mis du temps. Dépêchez-vous de me sortir de cet enfer souterrain. Vous allez devenir les stars du plus gros succès d'audience de l'histoire de la télé. Sa montre doit contenir la Kuma. Je m'occupe d'Audimatrix. Et moi de la porte. On est coincés. Voici les règles de mon émission. Vous avouez en direct la vérité, que vous êtes un couple d'amoureux, et j'arrêterai le métro. Les super-héros disent la vérité. Pourquoi avouer quelque chose qui n'est pas vrai?
J'ai fait mon scoop. Je vais utiliser mon cataclysme. Non, attends. Mieux vaut le garder pour une urgence. C'en est pas une pour toi. Il faut d'abord la tirer ici, sinon on ne capturera jamais son Akuma. On n'a qu'à jouer le jeu. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Hein? Ok, Audimatrix. T'as gagné. On avoue tout. Chat Noir et moi, on est amoureux. Tu avais raison, tous les deux, on est... un couple. Je rêve ou tu ronronnes? Non, pas du tout. En avouant leurs sentiments, nos deux héros sauvent la vie de leur fan et amie Chloé. Voilà qui plaît à nos téléspectateurs. Mais l'audience ne bat pas encore de record. Il va falloir faire mieux. Alors viens nous rejoindre, Audimatrix. Tu es la présentatrice de l'émission, après tout. Le public veut te voir aussi. Ordonne-leur de te donner leur Miraculous. Mon émission, mes règles du jeu, Ladybug. Pour prouver que vos sentiments sont authentiques, il va falloir enlever vos masques. Pour cela, vous allez me donner vos Miraculous. Dans tes rêves, Audimatrix. Attends, je sais comment prouver nos sentiments. Hein? Un bisou. C'est pas le moment, mon chaton. L'émission est finie. Si on ne peut pas l'atteindre, on ne pourra jamais capturer son Akuma. Mes chers téléspectateurs, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Ladybug, aide-moi, je t'en supplie. Oh, attendez, ne serait-ce pas la fille qui a lancé le fameux Lady Blanc, la toute première à avoir filmé Ladybug? Non, Alia. Maintenant, donnez-moi vos Miraculous, ou votre plus grande fan finira momifiée. On fonce avant qu'elle ne s'enfuit. Hé, hein? Oh! Attendez, et moi alors? Je vous interdis de me laisser seule ici. Non, oh, mais on n'est pas au Louvre. Elle nous a piégés. Ok, cataclysme là. Inutile, elle nous a sûrement enfermés loin du Louvre. Le temps d'y arriver, il sera trop tard pour sauver Alia. Alors quoi, on s'embrasse? C'est toujours pas le moment, mon chaton. Il est temps de faire exploser l'audimat. Je vous laisse une deuxième chance. Retirez vos Miraculous et révélez votre vraie identité. Le monde entier a les yeux rivés sur vous. Quel plan parfait, Audimatrix. Ils sont coincés, les Miraculous sont à moi. Inutile de chercher une échappatoire, vous savez. Sauf si vous êtes prêt à laisser tomber à l'eau votre plus grande fan. Dépêchez-vous, les amoureux, ne faites pas attendre le public. Tu as raison. Les guitares! Du ruban adhésif? Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai compris. Dépêche-toi, Alia va tomber à l'eau. Une minute. C'est trop long. Le chat a raison. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu as gagné, Audimatrix. On enlève nos Miraculous. Le monde entier va nous voir sans nos masques. Et on est prêt à s'embrasser. Dommage que tu rates ça. C'est vraiment pas ton jour de chance. Si vous me mentez, je vais vous le faire regretter. Et te voilà coincé avec nous. Lâche-moi! Lâche-moi! Cataclysme! Honneur aux dames! Merci, chaton! Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma! Je te libère du mal! Je t'ai eu! Bye bye, petit papillon! Miraculous Ladybug!
arriver. Bien joué! Audi Matrix s'est révélé être un maillon faible. Mais bientôt, je programmerai la fin de Ladybug et Chat Noir en direct! Oh, je suis tellement désolée! J'aurais jamais cru que ça prendrait aussi longtemps avec mes parents! Tu as tout raté, Marina! J'ai été prise en otage par une super vilaine! Quoi? Tu plaisantes? Je suis sérieuse! J'ai de la chance! Ladybug est venue me sauver! Je suis désolée de pas avoir été là pour toi. T'en fais pas pour ça, mais la prochaine fois qu'on doit passer une soirée ensemble, interdiction formelle d'aller voir tes parents. D'accord. Si vous voulez de l'info, j'ai ce qu'il vous faut. Bonsoir, ici Nadia Chamac pour mon émission Côte à Côte. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alia Césaire, la créatrice du Ladyblog. Ensemble, nous allons revivre les plus grands exploits de Ladybug et Chat Noir. Tes scores d'audience sont très bons, Nadia. Beau travail, tu as mérité ta première partie de soirée. Bonsoir, Nadia. Et les fans, pour commencer, je tiens à rétablir la vérité. Chat Noir et Ladybug ne sont pas en couple. Enfin, pas encore, en tout cas. Désolée, les fans. Hé, regarde, c'est toi et ma maman. Bien vu, petit asticot. Super! Maintenant, tout le monde va connaître le Ladyblog. Tu veux un autographe? Avec plaisir. Oh, moi d'abord, moi d'abord.